Non, je ne suis pas si triste en fait. On va commencer. Ok, salut la team, je suis bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc, comme vous aurez pu voir dans le titre et dans la miniature, donc je ne vous ai pas menti. J'ai dit, j'apprends à faire le salto arrière à Tristan avec un point d'interrogation. Est-ce que ça vous intéresse si j'apprends le salto arrière à Tristan? Donc, imaginons, Tristan, tu passes par là. Ce que je pense vraiment pas. Du coup, voilà, ça fait un moment que je suis tes vidéos. Donc, ça fait un moment que je suis les vidéos de Tristan. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore, allez voir ses vidéos. J'adore. En gros, Tristan, il fait quoi? Il fait plein de genres de vidéos. Par exemple, il apprend le handstand, donc l'ATR, donc l'équilibre sur les mains en 72 heures, je crois, ou des trucs comme ça. Il apprend le remise cube, il apprend à jongler. Et ça, c'est un projet que je voulais faire aussi. J'adore, c'est trop stylé, j'adore ce qu'il fait. C'est agréable à regarder, on est vraiment pris par le truc. Et avant-hier, j'ai passé ma soirée entière à regarder plein de vidéos comme ça. Enfin, bref. J'adore ce qu'il fait. Et du coup, j'ai vu aussi qu'il avait parlé à un moment dans sa vidéo. Il dit. Ou un backflip qui est la plus grande peur, je crois, que j'ai dans le sport. Vous verrez vite la vie. Ok, ça m'a fait tilt dans ma tête direct. J'ai trop envie de lui apprendre le salto arrière. D'ailleurs, comme vous le savez, j'ai déjà appris le salto arrière à mon pote en 20 minutes. Si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, allez la voir. D'ailleurs, je vous la mets tout de suite. Oh, je vais me payer des héros. Allez, tu le fais tout de suite. Tout de suite, tu te lances. Tu vas le mettre. Voilà. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? Ça fait 4 ans que je fais de la musculation et ça fait plus de 2 ans que je vais faire le salto arrière et que je l'ai appris déjà à beaucoup de personnes. Mais vraiment, j'adore faire ça. Donc, Tristan, écoute-moi bien. Si tu es chaud, même les autres, même s'il vous plaît, j'ai besoin de vous, ma communauté, aidez-moi à que Tristan voit cette vidéo. J'ai fait exprès de faire un imageur putaclic. Je suis désolé si vous avez pas forcément aimé. C'est juste que vraiment, je voulais qu'il tombe dessus parce que j'adore sa personnalité, j'adore cette personne. C'est un mec qui se prend pas la tête. Enfin, j'adore comme il a toujours le sourire, j'adore ça. Et du coup, vraiment, j'ai vraiment envie de lui apprendre le salto arrière. Ça serait une super bonne expérience pour moi. Et du coup, vraiment, aidez-moi. Et puis, faut que Tristan voit cette vidéo, ce serait genre trop, trop bien. Voilà. Et du coup, j'ai une salle de gym à ma disposition pour lui apprendre. J'ai mes compétences. Donc, salto arrière, ça fait plus de 2 ans et demi, je le mets. J'ai déjà appris à plusieurs personnes en pas beaucoup de temps, surtout. Et du coup, je suis sûr à 1000% de lui apprendre en moins de 24 heures. Mais c'est même sûr et certain. En une après-midi, c'est bouclé. Surtout lui, ça se voit comment il est plutôt athlétique. Donc, franchement, ça serait juste parfait. J'aimerais trop lui apprendre. Et pour tous ceux qui souhaitent apprendre le salto arrière, écoutez-moi bien. Je vais vous proposer quelque chose. Je pense que vous allez adorer. Si vous avez peur de vous lancer, si vous avez personne pour vous lancer, si vous avez pas de salle de gym, pas de salle de trampoline, écoutez-moi bien. Je vais créer quelque chose, dites-moi déjà si ça vous intéresse en commentaire, en une genre de série à peu près qu'il y aura une vidéo tous les mois où je vais apprendre le salto arrière à une personne. Je pense que ça peut être vraiment intéressant, donc écoutez-moi bien, tout simplement, à cette adresse mail ici, vous allez devoir m'envoyer une vidéo de vous en train de vous présenter et vous dire pourquoi vous voulez faire le salto arrière, en me disant vous habitez où, votre âge, votre taille, votre poids, tout ça, ok? Surtout, très important, ça ne sera pas avant 16 ans, ok? Donc si tu as 16 ans, c'est bon pour toi, mais avant 16 ans, tu ne pourras pas. Déjà, je me suis un peu méfié à la base, je me suis dit, bon bah, faut être majeur pour faire ça, parce que c'est vrai que c'est trop de responsabilités, et du coup, j'avais peur, voilà, imaginons vous blesser ou quoi, mais bon, avec moi, vous n'allez pas vous blesser, puisqu'on va vraiment prendre le temps, on va pas faire comme le premier salto arrière que j'avais appris à mon pote, c'était en 20 minutes, et vraiment, c'était pas fake, vous savez, je fais pas de fake, et voilà, c'était un peu trop court, bon, là, je le connaissais bien, parce que c'était un pote à moi, mais là, vu que je vais pas vous connaître, logiquement, on va prendre beaucoup plus de temps, donc je vous amènerai dans un trampoline park, bien sûr, vous n'aurez rien à payer pour apprendre le salto. Je trouve ça un peu logique en même temps. Donc on ira comme je dis dans un trampoline park. Ensuite salle de gym. Et puis voilà, on va vraiment prendre toutes les précautions possibles. Donc voilà, tout ce que vous avez à faire c'est m'envoyer une vidéo sur cette adresse mail, ok? Une vidéo à peu près une minute, même moins, parce que sinon vous pourrez pas l'envoyer, la vidéo sera un peu trop grosse, ok? Et bien sûr vous pouvez habiter à Paris, à Nantes, à Lyon, je sais pas. Bon, bien sûr j'essaierai de me déplacer, mais pas tout le temps. Donc le mieux possible, si vous habitez proche de Paris, c'est le plus facile pour moi. Surtout si vous pouvez vous déplacer, c'est encore mieux. Parce que imaginons si vous habitez à Lyon, moi je vais devoir me déplacer à Lyon, mais est-ce que à Lyon je pourrais trouver une salle de gym? Trampoline park c'est bon, ça y a pas de problème, mais une salle de gym c'est un peu plus compliqué avec les attestations et tout ça, alors que je sais qu'à Paris ici je peux vous réserver une salle de gym avec moi pour faire cette vidéo là. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc je suis désolé, cette vidéo était assez courte, mais c'est juste que je voulais vous envoyer un message dans le sens de vous dire deux choses. La première, que j'ai envie de faire un salto arrière à Tristan, vraiment je kifferais d'où. Donc s'il vous plaît, aidez-moi dans les commentaires, sur Instagram, envoie-lui des DM. S'il vous plaît, je sais qu'on n'est pas une grosse communauté, mais je pense que la force c'est ce qu'il y a de plus fort. Du coup, enfin, c'est logique. Envoyez-lui sur Instagram, j'espère qu'il va le voir, ça me ferait vraiment plaisir. Taguez-le dans vos stories, partagez cette vidéo à fond, je vous en supplie, ça me ferait super plaisir. Et puis voilà, et la deuxième chose, c'est que je vais vous apprendre le salto arrière à vous aussi. Donc ça me fait super plaisir. Donc n'oubliez pas de m'envoyer vos vidéos sur cette adresse mail. Ouh, voilà. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Get it money, nigga, that my man.